Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous allons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV et il est temps d'aller parler à Wultama encore pour essayer de terminer l'épreuve du pot. Franchement, l'épreuve aurait été ça. Elle aurait été ça parce qu'on avait déjà rencontré la bonne personne. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like. Également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Donc il m'a toujours traité avec tous les égards alors que je me sens un peu mal de lui tourner le dos. Mais je me dis qu'il le faut pour l'avenir du pays. Bah, vous avez réussi à trouver Frangentaine. C'est bon repli, on a trouvé Frangentaine. Par contre, ce qu'il a tendance à risque de pas te plaire. Il va devenir une main du poste, c'est ça? C'est écrit sur son visage. Passage, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est une fierté de pouvoir vous venir en aide. Certes, c'est toujours pas regrettable de perdre un bon élément, mais jamais je ne vous en tiendrai rigueur. Merci repli. Si jamais vous connaissez des artisans aussi doués comme Frangentaine, et ce quel que soit leur domaine de spécialité, n'hésitez pas à me les présenter. Vous aussi postulez vous-même, si vous avez le profil du métier. J'y penserai. Tant pis, je ne serai pas resté très longtemps, mais merci pour tout. Je suis un peu plus heureux d'avoir entamé ma carrière turalienne au sein de votre bazar. Si jamais les meubles ne veulent plus de vous, sachez que vous serez toujours le bienvenu chez nous. Bon, eh bien, je vais faire mes bagages, à plus tard. C'est moi. Alors, vous avez trouvé Frangentaine? Oui, et devinez quoi? Il a accepté de venir une main du pot. Il est allé préparer ses affaires, là. Quartier libre en attendant. Ravi de l'entendre, on se revoit plus tard alors. Là on va avoir des soucis parce que t'as l'autre double tête qui va vouloir nous le piquer. Bon, il va y avoir une raison supplémentaire de ne pas baisser les bras. Je vais répondre aux espoirs de Frangentaine. Et ce, en devenant Orarch. Allez, un repli au bazar lobby de Perle pour avoir accès aux nouvelles livraisons. Je veux juste savoir. Ok. C'est le genre de choses que je fais plus trop. Parce que ça prend un peu de temps, faut bien l'avouer. Ouais. Ça reste cool aussi. L'Orarch qui est le père. Qu'est-ce que je viens d'avoir? Ah, le pantalon. Le pantalon, oui, c'est vrai. Si je peux prendre pour le. Orarch est le père. Je crois que je vais en profiter pour retourner au palais rendre visite à Namika. La pauvre, elle doit vachement s'inquiéter pour moi depuis le temps. Qu'est-ce que tu veux de ton côté? Profites-en pour relever le pied, tiens. T'as une chambre faite exprès pour ça. Adresse-toi à Pêche-quoi, aux cabines de Pou. Comme il se doit. Allez, à plus! Ok, on va parler à Pêche-quoi pour pouvoir se reposer, ça. Cette vue. Tu veux passer des vacances ici, t'es content. Hein. Bah, ça n'est pas du service derrière, mais. Ah, bienvenue. Tombez à pic. Le messager de la Légion de l'Horreur ici, justement pour vous transmettre un message. Eh, la suite d'après, c'est vous, Clama, je présume. Je vous ai longuement cherché. La Majesté Gulol. Oh là, Gulol, Jaja vous fait savoir qu'il souhaite en s'entretenir en privé avec vous. Vous êtes assez invité à vous rendre dès que possible au palais.
En outre, vous êtes tenu de ne pas entrer en... de ne pas en parler à la princesse Futlama. Ce sera tout. Mais... Je voulais dormir, moi, en fait. Bon. Allons pas aller. C'est quand même dommage. Toutes les fois où ici, on aurait la possibilité de se reposer et d'avoir une cinématique de dodo comme on en a eu, par exemple, pour... Shadow Mugger, je pense. On nous les évite ici. On se de... Ah, instance. Il y a l'autre qui veut se battre avec. J'en étais quasiment sûr, hein, mais voilà. Ma majesté vous attend dans la salle Aurore. Je ne peux pas vous divulguer la raison exacte de sa convocation. Néanmoins, je vous recommande de vous échauffer avant d'y aller. T'es censé rien divulguer, non? Et là, tu me dis m'échauffer. On sait d'avance ce que ça veut dire, non? Allez, hop. De toute façon, 92, ça va. 855, ok.私はこれでも王位についてから今日まで戦いと名のつくもんに負けたことがなくてな。武の頭だけに武王なんて呼ばれてもいる。トツ国の槍使いエスティニアンはなかなかだったが、勝敗をつける前に都を離れちまった。いい加減強者との戦いに飢えてたところでな。船乗りたちの噂によれば、お前トツ国じゃ高名な冒険者らしいじゃねえか。あ、スプレー。だが向こうでどれだけの戦功を上げてきたとしても、その武勇わしのもとまで届くかね。Est-ce qu'on peut le savoir tant qu'on n'a pas combattu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. いい面構えになったじゃねえか。上等だ。届けてみせよ。おら、見せた。たぎってきた。なに、安心しろ。殺しはせん。Je vais essayer de faire de pas te tuer non plus, t'inquiète. 手袋を加えるつもりもない。Possiblement, il est en... 戦いを通して、お前の力を測らせてもらうぞ。En point d'interrogation, parce qu'il est sûrement niveau 100. Faut bien l'avouer, je sais, le livre c'est moins classe que sortir des épées ou un truc dans le genre, je suis totalement d'accord. Mais, c'est comme ça que moi je combats. Ouais, laisse-moi deviner, c'est mon point d'interrogation. Haha, c'est ce que j'avais dit.
Allez, let's go! Y'a ma fée, on est 4. Apprends à compter! Oula. Ah, je me doutais bien que t'allais faire l'autre côté. Mais. Oi, oi, kitai o uragirande kure yo. Devi no senshi ttte no wa shitteru ka? Kono waza mikireru ka? Moi, ça m'attend au niveau des effets. Destinian, kotoba dori da na. Naraba. Shikufuku no hono yo, utori o motte. Pose pas dedans. Ça va faire mal. Okay.
moi il va doucement avec moi, surtout que ça peut-être la raison n'est pas encore réveillé en plus. Il faut aller du côté où l'épée tombe, voilà, parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Le clavier qui s'est... Enfin, le truc de discussion qui s'est activé, c'est-à-dire que la barre d'action ne prenait pas les touches. Merci. Même pas merci du tout. わしの本気の攻めを受け切ったやつは、お前が初めてよ。リの頭が眠っているとはいえ、一回の冒険者ぐらい叩き潰してやるつもりだったんだが。エスティニアンが言った通り、 Par contre, est-ce qu'on peut toujours se considérer comme une simple aventurière? J'ai des doutes. かけちまって悪かったな。強者との戦いに飢えていたと言ったが、別の理由もあってよ。お前が大切な娘を託すにふさわしい人物か、どうしても直接見極めたくなったってのが本音でな。 あいつは武の頭である。わしに似たところがあってよ、熱くなりすぎて危機に陥ることもあるはずだ。だが仲間を癒すことに長けたお前の力があれば、ラマチも安心して背中を預け戦えるだろう。
ここから先はトライオラの王としてじゃなくてよ、ラマチの親父として話がしたい。悪いが付き合ってくれるか。礼を言うぜ。早速だがな、これまで一緒に旅をしてきてラマチをどう見る。王女として、依頼主として、あるいは一人の人間としてでも構わねえ。お前がラマチを見てどう思ったか聞かせてくれ。Mature mère du potentiel. やはりわかるか。その通り、あいつはまだ王位につくには未熟だ。この国に生きる部族たちが持つ歴史も文化も信仰も知らん。あいつが知っているのはこの王都から見える景色だけだ。だがそれはラマチに限った話じゃない。ここまで継承の儀を進んできたならもう気づいてるだろう。継承の儀を争う4人全員が継承候補者として問題を抱えていることに。そもそも継承の儀とは王にふさわしい器を選ぶためのものじゃねえ。王としてふさわしい器へと磨くための儀式なのだ。故に継承の儀を通して成長できなければそれまで誰にも王位は譲らねえ。親としちゃ我が子らがそれにふさわしい人物となってくれるよう願っちゃいるがな。とんだ茶番に付き合わせて悪い。お前たちのような新しい風があいつらに変化を促してくれるんじゃねえかと期待してるんだ。特にお前は冒険者として多くの土地を歩き、そこに生きる人々や文化を知り、愛し愛されてきただろう。お前が思うやり方でいい。先達としてラマチと共に同じ道を歩き、時に導き時に背中を押してやってほしい。久しぶりにナミイカの飯でも食って戻ろうと思ったら、お前が親父に呼び出されたって聞いてよ。さては親父、私の目を盗んでこいつと手合わせを。バレちまったらしょうがねえ。まあ心配せずとも継承の儀に支障が出るほど古典版にしちゃいねえさ。お前の仲間を借りちまって悪かったな。この先も仲良くやれよ。たく、この旅で親父の凄さを改めて感じたところだったのに。こんな手合わせ好きのジジイはほっといて、もう行こうぜ。頼んだぜ、冒険者。
コーナが連れてきた連中も継承候補者たちの問題には花から気づいていたようだった。さすがガラフと同じ場所から来ただけのことはあるとすると、ここからしんどいのは残りの二組か。未熟さを認めてくれるやつをそばにつけず、さてどうなる。En nous affrontant. C'est bon, le pattern ne changera jamais. Toujours à cogner tout sur tout ce qui bouge. En général, ces adversaires spécialisés sont tapés en mode 2. Seule exception que je connais sont Juralja, mon ami Lancier, et maintenant toi. Pas de plus que t'es super balèze. Bon, et sinon, vous avez taillé le plus gras? Il t'a dit quoi? Rien de spécial. Ah, moi qui pensais qu'il était retourné le cerveau. Je me suis fait des idées, faut croire. Projet de paix. Dis-toi que j'ai même pas eu le temps de griller avec ces bêtises. Faut que je passe voir un amica avant qu'on emprunte notre route. Marca se trouve aux cabines de poudre avec tout le monde. Ça te laisse le temps de souffler un peu après ton combat contre papa. Ouais, il était cool le combat contre le paternel. Ouais, s'il te plaît, sérieux? Ah si, merci. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement. J'ai bien apprécié. Hop. Il faut aller ici. Navré de vous avoir fait attendre. Alors, pour le grand départ. Oui, comme j'avais quitté les réserves dans le pic de refaire ma vie, je n'ai quasiment pas de bagages. En revanche, j'avais beaucoup de collègues à saluer avant de partir. Merci. Il ne reste plus qu'à retourner à la forêt, à la fournée. À chaque fois, j'ai la forêt. Attendez! Ah, moquez-vous! Salut! Diante! Moi qui ne cesse de pêcher la politesse, j'ai eu l'autre quid dans une idée de l'impératif à l'encontre d'une princesse de votre stature. Honte sur moi! Je ne vois qu'une issue possible à cette avenir. Tranchez-moi la tête avec votre hache. Faites-en de la farce pour taco de carne Asada. Non merci, le gore c'est pas mon truc. Puis je t'ai déjà dit d'arrêter de nous bassiner avec l'étiquette. Ah, dans ce cas, y'a pas de mal. Ce type est complètement lunatique. Je venais me procurer des matériaux lorsque je vous ai aperçu. Dites. C'est vrai, qu'est-ce qu'on raconte? Vous vous êtes lancé en quête de la légendaire Cité d'Or? Le Pardon a décidé que ce serait l'objectif ultime du rite de succession, alors j'ai pas trop le choix. D'ailleurs, c'est à moi de rédiger des indices à ce sujet, je suis preneuse. Ah, vous voulez un petit exposé? Avec plaisir, laissez-moi donc vous présenter la légende de la Cité d'Or. Une légende qui, comme vous le savez sans doute déjà, se transmet plus depuis de... plus d'un millénaire à travers le Turan.
Remarquable, la nature de la cité elle-même ne fait pas consensus. D'aucuns pensent qu'il s'agit littéralement d'une ville aux immeubles dorés. Quant à d'autres, parlent d'un lieu abritant un grand trésor. Et pour cause, on raconte que tous les courageux Turali appartiennent à sa recherche, aucun n'est revenu vivant. Le chemin jusqu'à elle serait en effet parsemé de dangers mortels. Aussi, je vous invite à exercer vous-même la plus grande prudence durant votre quête. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre périple. Merci, Wikibou. Donc, tous ceux partis à la recherche de la cité d'or sont morts. Moins que ce ne soit un racontard colporté à dessein pour dissuader le peuple de s'engager dans une quête vaine. Un racontard que Gullo Jaja a lui-même contredit. Il me tarde de pouvoir interroger les Yokui. D'après ce que j'ai compris, la légende serait née au sein de leur clan. On aura tous les loisirs de se pencher sur ces mystères une fois l'épreuve du pot réussie. Ne perdons pas de temps et ramenons Fongentaine à la fournée. On m'a TP, ok, ça se soucie. Pendant ce temps dans le groupe du prince, Joralja. Comment facilement Tsubodakumi ni shigan suru mono ga arawareru to wa.領土拡大の夢を見せてくださるあなたに恩を売っておこぼれに預かろうというのでしょう。利用価値があるものには土地などいくらでもくれてやる。 言葉だけは気前よく聞こえるが、あの口ぶり、公正さから出たものではあるまい。本質的に領土にも富にも執着がないのだ。ならば、世界を一つに平らげた先に何を求める？邪魔だ。ああ、確認しとくが、壺田組を奪っちゃいけないなんて決まりはなかったよな。爆風じゃじゃ、どういうつもりだ。黄金鏡にたどり着くには 7つの秘石を揃えればいいだけ。つまり試練なんて真面目にやる必要はないってことさ。それに一つ頭君にもそろそろ教えてやろうと思ってよ。炎王の血を引く奇跡の子だかなんだか知らねえが、所詮は総統として生まれてこられなかった出来損ない。 炎王の後継者として相応しいのは同じ総統であるこの俺様だってことをな。さあ武器を脱ぎな、一つ頭の劣等使との差をその身に刻み込んでやるぜ。 お待ちくだされ、ゾラージャ様。そやつにはまだ利用価値が、殺さず痛めつける程度でどうか。
どうした？ビビって動けなくなったか？Je pense que le prince est plus fort. Beaucoup plus fort. Bocana. Soto no Ore-sama ga hitotsu atama gotoki ni kiza o tsukasareru nante. Kansha shimasu. Korosu no wa itsu demo dekiru. この継承の儀、まだまだ面白くなるぞ。Bien plus fort, bien plus fort.Ça m'a pris un peu de temps, mais je vous ai dit, je suis une belle upo. Et une bonne. Un temps va bosser pour les joyaux d'Estem, une enseigne étrangère réputée. Oh, magnifique, formidable, mirifique. Voilà, c'est mieux. Après ça, c'est la première à s'acquitter de la tâche, de l'épreuve. Une belle upo venue d'un autre pays, c'est rare. Les gentils meublins ont hâte de découvrir sa technique et sa patte artistique. Donc tout de suite lui présenter son nouveau lieu de travail.Et c'est que je vous quitte, on dirait. Battez-vous de toutes vos forces et devenez Roark pour moi, d'accord? Merci pour tout, Fonchantaine. Je prends en sorte de ne pas te décevoir. Oula, j'ai du mal là. Après ça, s'affranchit avec succès l'épreuve du pot. Elle a donc mérité de recevoir une gemme. Et un badge de plus. Désolé, pour moi, c'est trop ressemblant à Pokémon pour ça. Et hop, ça m'en fait 3.Oh là 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 là, toutes ces mains du pot qui arrivent d'un coup. C'est la fête au village. Que les candidats se rassurent, il y aura des gemmes pour tout le monde. D'abord la gemme des Anuanu, puis celle des Pelupelu et maintenant celle des Meublas. Jusqu'à présent, on peut se targuer d'un parcours sans faute. Pour l'instant, il semblerait que la fratrie royale se montre à la hauteur, y compris sa patrie adoptive. Je pense notamment à vous, jeune prince Koana, et à votre incroyable érudition. Votre connaissance des technologies étrangères et surtout de leur application dans le domaine militaire pourrait certainement être mise à contribution.Vous feriez un excellent vassal à votre frère. Frère. La guerre ne m'intéresse pas. Si je dois mettre au profit la technologie charlayanaise, ce sera pour accélérer le développement de ce pays. Si le Tully acquiert une réputation de nation technologiquement avancée, le regard qu'on porte à l'étranger changera de tout au tout.
Il y aura à terme un fort effet dissuasif. Aussi vrai que l'Empire de Gallo mal s'est gardé d'attaquer Charleian. C'est bien beau ce que je vous dis, Jean. Mais à votre avis, combien d'années faudra-t-il pour que le Tilly arrive au niveau d'avancement technologique de Charleian? Le pays mise dès maintenant sur la recherche. Alors, tôt ou tard. Pourquoi s'inspirer d'une autre nation? Quand on peut simplement la dévorer. Soumettre d'autres peuples à la force et encourir le risque d'une future révolte. C'est perpétuer le cycle de la guerre et de la violence. Nous sommes bien passés pour le savoir, croyez-moi. Eh bien alors, allons-y, perpétuons le cycle. Parce que l'absurdité de la guerre et de la violence apparaît évidente aux yeux de chacun, et que le monde entier décide de déposer ses armes. Comment tu peux qu'on vive heureux dans un scénario pareil? La paix au prix d'un bas de sang? C'est n'importe quoi! Oh, la princesse rappelle à redire que tu as un vieux souvenir. C'était avant même la naissance du Tilly, à l'époque où les Moblas ne signaient pas de contrat avec les mâts du pot. Ils les capturaient et les forçaient à travailler contre leur gré. Ça ne choquait personne. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un groupe d'ouvriers décide de s'insurger contre ses maîtres. Ils contactent Kujol Jaja et lui demandent de devenir le bras armé de sa vindicte. Le puissant Double-Tête et ses alliés arrivèrent au village. Les Moblas, inaptes à la guerre, s'attendaient à être décimés. Or, leur supposé bourreau n'attaqua point et éteint à la place ce discours. Nous n'avons aucune intention de vous attaquer. Nous sommes simplement venus pour discuter, Jean. Nous tenons d'abord à saluer la qualité de l'orfèvre que vous produisez dans ce village. Inutile d'être expert pour deviner que vous exploitez les meilleurs matériaux et savoir-faire qui soient. Pour autant, vos créations nous ont toujours laissé de marbre, car après tout, comment des objets fabriqués sous la contrainte pourraient apporter de la joie à qui que ce soit. Si vos artisans étaient libres, heureux et inspirés, s'ils pouvaient insuffler toute leur âme à leur œuvre, alors celle-ci s'en trouverait magnifiée, vous ne pensez pas? Et c'est ainsi que l'hospitalité devient une priorité pour les gobelins, pour les gentils moblins. Au grand bonheur des mâts du pot qui redoublèrent d'application dans leur travail, tout le monde y gagna en échange. Yuljajaja avait vu juste, la bienveillance paie davantage que la contrainte. Vous êtes en train de nous dire que les mots de papa ont littéralement bouleversé la mentalité de votre clan? C'est authentique, exact et vrai. La venue de Gulol et Jaja a tout changé. Mon maître n'a visiblement que faire de ces vieux récits surannés. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, ou plutôt à la prochaine épreuve, Jean. Qui rira le dernier, t'inquiète pas, mon grand. Chacun son tour. Reprenons la route, nous aussi. Par contre, on n'aura pas vu Bakul Jaja une seule fois durant l'épreuve. Pardon, Rakorok peut déranger la princesse Wuklama quelques instants. Pour remercier la princesse d'avoir convaincu Kae de rester au village, Rakorok voudrait lui parler de la Cité d'Or. Oh, tu as des œuvres pour moi? Vas-y, je t'écoute.
Voilà, dans la cité d'or, il y a de l'or partout. Sur les routes, sur les maisons, partout. Richesse et plaisir à tous les étages. Là-haut, dans les nuages, tout le monde est heureux. Les enfants, les adultes, les personnes âgées. L'éternelle félicité. Versité. Faites cité. Ça rejoint en partie ce que nous avons expliqué, ce que nous avait expliqué Wikimu. Une ville où tout le monde est heureux. J'aimerais voir ça de mes propres yeux, tiens. Au fait, Rakurok, où tenez-vous cette version de la légende? D'ailleurs, oui, ce sont les amis de longue date des Meublins. Ils mènent toujours une existence discrète au sein des montagnes du Rokopacha. On en revient toujours au Yurkui. Bon, eh bien, je crois que la prochaine étape pour nous va être de visiter leur village alors. Quant à vous, les Meublins, j'ai trouvé votre mode de vie très intéressant. Vous nouez des véritables relations de confiance avec vos mains du pot et offrez ces lettres de noblesse à l'artisanat naturalien. Bref, je vois que des raisons de vous apprécier. Ça doit de nouveau des quêtes de droit et tout ça. Hein. Il y a un certain nombre de points que j'aimerais éclaircir. On va bien ce que nous disent les Yokui. D'un côté, on nous écrit une sorte de paradis habité, alors que de l'autre, on nous affirme que ceux qui ont cherché la cité d'or sont tous morts. Difficile de décerner la vérité dans tout ça. Dans l'histoire de Red Rock, je n'ai pas du tout reconnu le Gulja Jaja qu'on a rencontré. C'est-à-dire que ces deux têtes ont chacune leur personnalité. Un peu comme deux étrangers qui partagent un même corps. Jaja ne cache aucunement ses intentions belliqueuses. À se demander comment l'orarque a pu accepter sa participation au rite de succession. Je vais y arriver. Et il est temps de clôturer l'épisode en cours, j'espère que ce dernier vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Cette épreuve fut simple. Très simple. Allez, à la prochaine. Bye.